tout le monde. Cette fois-ci, eh bien, on va parler d'argent, de sous-sous dans la poche, de blé, de monnaie, enfin bref. Vous m'avez compris. Avec cette histoire qui a commencé en juillet 2015 avec trois ouvriers qui travaillaient dans une cave et qui ont, comme par pur hasard, déterré 34 lingots d'or d'une valeur de 1 million d'euros. Là, vous vous dites, l'histoire elle est géniale, elle va bien se terminer forcément. Avec une telle somme, c'est phénoménal. Mais en fait, malheureusement, c'est plus compliqué que ça. Vous avez cru qu'ils allaient couper le magot en trois parts égales? Eh bien non, ils sont un peu con-con parce que le propriétaire, qui sait, je ne sais pas, a décidé de garder la moitié du magot, ça veut dire 500 000 euros, et pour les trois autres ouvriers, et le reste pour les ouvriers et trois autres personnes. Qui sait, je ne sais pas, encore une fois. Puis ensuite, c'est parti en justice, etc. Et à la fin, eh bien, malheureusement, il ne resta qu'un ouvrier. Il gardera 500 000 euros pour lui tout seul, et pour les autres, que dalle. Une belle histoire qui se finit mal, comme des milliers d'autres d'ailleurs.